préfet, bonsoir. Bonsoir. Avancez-vous, je vous en prie. Donc un trophée d'honneur qui a été décidé par le jury, et c'est vous qui avez... C'est vous qui avez le lauréat. J'avais quand même regardé ce qu'il y avait dans l'enveloppe avant de monter sur scène. Et donc, ce trophée va récompenser une entreprise bien connue dans le département, bien connue sur Saint-Étienne, qui allie à la fois l'ancienneté, le caractère très vénérable, et puis qui a aussi illustré l'innovation, le savoir-faire stéphanois, et qui a connu un développement considérable, au point qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, c'est le premier employeur privé de la Loire. Donc il s'agit donc de Casino. Que l'on découvre en image. Installez-vous, monsieur le préfet. Nous sommes très honorés, monsieur le préfet, que vous ayez accepté de remettre ce trophée d'honneur. Alors c'est vrai que Casino, j'ai eu le plaisir de faire partie de ce jury, il arrivait dans toutes les catégories. C'était un peu compliqué. Développement durable, innovation, entreprise de l'année, 120 ans, bien sûr, international, et on sait le développement à l'international. Ouvrir des magasins au Cameroun depuis quelques semaines. D'accord. Alors, on a vu beaucoup de sourires sur cette vidéo, des gens apparemment heureux, et qui sont au service des clients. C'est la base du métier ? Bien sûr, c'est la base du métier. Alors, il y a le service, il y a la qualité des produits. Et Casino était le premier à avoir un service qualité. Et au fond, ce qui a fait le succès de l'entreprise à ses débuts, à partir de 1898, c'est que les épiciers, à l'époque, on le sait, il y avait un problème de qualité. Souvent, il y avait les bons épiciers, les moins bons, etc. Là, l'idée de Geoffroy Guichard, c'est que quand on allait chez Casino, on était à peu près sûr de ce qu'on allait y trouver, parce que les produits avaient été vérifiés et contrôlés. Je dirais presque le totem. Et puis c'est une magnifique locomotive, d'autant que, comme M. Issac l'a rappelé, Casino, tout au long de son histoire, a été extrêmement actif dans tous les secteurs de la vie de monsieur, un trophée d'honneur pour les 120 ans de Casino, remis par le préfet de la Loire, M. Evans Richard. La belle histoire de Casino que vous découvrirez bientôt en écoute.